Merci de nous rejoindre dans Soir Actualité, Madame, Monsieur. Bonsoir, les titres de votre journal. Les Léopards seniors sont à un match de la qualification pour la CAN 2024. Notre 11 national a surpris hier au stade de la rénovation à Franceville. 2-0. L'État réaffirmait son engagement pour que l'Afrique devienne un espace où les droits des femmes sont respectés. Il a dit aujourd'hui à l'ouverture de la conférence internationale sur la lutte contre les violences basées sur le genre. Blandine nous ouvre au reportage. Les violences basées sur le genre, un concept globalisant allant des violences sexuelles aux violences institutionnelles en passant par celles physiques, émotionnelles et socio-économiques. Un problème complexe et à multiples facettes que la République démocratique du Congo veut à tout prix combattre et éradiquer. Ce combat exige une approche globale et complémentaire afin de renforcer les efforts de prévention. La conférence internationale sur les violences basées sur le genre, qui se tient à Kinshasa sous l'égide du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, couronné par ses pairs africains, champion de la masculinité positive, s'inscrit dans le cadre des échanges sur l'efficacité des actions à mener, afin de changer l'image de la RDC qui présente un tableau peu reluisant avec 45% des femmes déjà victimes d'une des formes des violences basées sur le genre. Selon les données collectées par les ministères du genre, famille et enfants, de 2018, à 2000, un total cumulé de 160 564 cas de violences sexuelles a été rapporté. Mais avec les récents développements des conflits à l'est et à l'ouest de notre pays, on observe encore une recrudescence des cas de violences faites à la femme et à la fille, qui requiert une attention particulière de tous les acteurs qui ont un rôle à jouer pour y mettre fin. Dans son allocution, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a réaffirmé sa ferme détermination à tout mettre en œuvre afin d'améliorer la perception de l'image et du rôle que la société attribue à la femme. J'ai personnellement tenu à présider le lancement de cette conférence afin de réaffirmer mon engagement à tout mettre en œuvre pour que la République démocratique du Congo, notre pays en particulier, et l'Afrique en général, deviennent des espaces où les droits des femmes sont autant respectés que ceux des hommes. Parmi les intervenants, la coordinatrice du service spécialisé du chef de l'État chargé de la jeunesse, lutte contre les violences basées sur le genre et traite des personnes, a révélé le but de cette conférence qui est d'élargir la gamme d'acteurs, de compétences et d'idées en portant les efforts en cette matière à un niveau plus élevé. Bien avant son mot d'ouverture, le président de la République a loué l'apport de la Banque mondiale, représentée par sa vice-présidente pour l'Afrique de l'Est et du Sud, qui n'a pas lésiné sur les moyens pour la réalisation de cette conférence, qui connaîtra la participation de 200 experts nationaux
et internationaux. Un cadre juridique contre la corruption va être mis en place en RDC pour renforcer la lutte contre la corruption. Rose Mutombo l'a mentionné au forum de l'Alliance anticorruption tenu à Abidjan. La ministre d'État à la Justice a également fait mention de l'agression rwandaise qui a pour motivation le pillage de nos ressources naturelles. Autre question évoquée, la patrie. Richard Kalala. Renforcer les efforts du gouvernement visant à lutter contre la corruption, perspective régionale en Afrique, thème du forum de l'Alliance internationale anticorruption auquel a pris part du 14 au 16 juin la ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Mutombo, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Dans son intervention, Rose Mutombo Kiesse a annoncé la mise en place d'un cadre juridique contre la corruption par le gouvernement congolais. La ministre d'État, ministre de Justice, a en outre évoqué quelques cas des dénonciations portées devant les cours et tribunaux et a affirmé la récupération de fonds mis en contribution pour le bien-être de la population. Pour mettre fin à ces fléaux, la ministre d'État a proposé la conjugaison des efforts des gouvernants et des gouvernés. Actualité oblige, Rose Mutombo est revenue sur la situation lugubre qui vivent les populations de la partie est de la RDC, orchestrée par le Rwanda par les billets des M23. Nous savons tous que ce conflit armé est basé sur le pillage de nos ressources naturelles. Pour qu'il y ait vraiment stabilité, il faut que la guerre cesse pour que les institutions et la restauration de l'État soient vraiment rétablies pour que nous puissions lutter réellement contre la corruption. Dans le cadre du partage d'expérience, la ministre d'État, ministre de Justice, a évoqué avec son homologue des affaires étrangères ivoirienne la question de l'apatridie sur initiative du bureau du Haut Commissariat des Nations Unies des réfugiés sur le sol congolais. La corruption est un fléau qui empêche le développement des différents pays africains et appauvrit la population qui n'arrive pas à se fier et à avoir confiance aux institutions de leur pays. Dixit, Rose Mutombo, ministre d'État, ministre de Justice. Santé, la prise en charge de l'anémie SS coûte entre 800 et 1000 dollars américains par patient. Le ministre de la Santé prend l'engagement de se battre pour intégrer cela sur la liste de maladies prises en charge par la couverture santé universelle. Eddie Tchala Katala pour le point. Drépanocytose ou anémie SS est caractérisée par la présence d'hémoglobine anormale S dans le sang, responsable de la déformation des globules rouges en forme de banane ou de faucille. À l'occasion de la journée internationale de lutte contre la drépanocytose, célébrée chaque 19 juin, les associations et ONG qui encadrent et militent pour les droits des personnes vivant avec la drépanocytose se sont réunies à l'Institut National Pilote d'Enseignement des Sciences de Santé. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Roger Kamba, qui prenait part à cette activité, a promis de tout mettre en œuvre pour la révision à la baisse des produits pharmaceutiques que prennent les malades souffrant de cette maladie pour faciliter l'accès au traitement et leur garantir une meilleure prise en charge. Je profite ici pour remercier son Excellence Monsieur le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, m'a confié la mission de mettre en place la couverture santé universelle. Mais cela veut dire tout simplement que tout le monde accède aux soins de santé de qualité, sans pour autant qu'il y ait des barrières financières. Mais si vous avez la maladie la plus répandue qui n'accède pas aux soins de santé de qualité, sans barrières financières, alors on n'aura pas atteint l'objectif de la couverture santé universelle. Et je peux vous assurer que pour la couverture santé universelle, je me battrai aussi pour la drépanocytose. Le coût moyen de la prise en charge de cette maladie par personne varie entre 800 et 1000 dollars par an, ce qui n'est pas accessible à toutes les bourses. Une maladie évitable, mais qui voit la République démocratique du Congo arriver en troisième position dans le monde et deuxième en Afrique après le Nigeria, ayant un nombre élevé de personnes vivant avec cette maladie chronique. Sécurité, les Yaka et les Teke ont toujours vécu en harmonie parfaite. Certains notables du Grand Bandundu mettent en garde les tireurs des ficelles et exigent que soient jugés les auteurs des tueries. Jacques Kaboba. Les ressortissants de l'espace Grand Bandundu, Kwango, Kwilo et Maindombe, membres du groupe d'action, des soutiens et d'accompagnement du professeur Dr Nana Mandanina Kyumba, ministre après le président de la République, attirent l'attention de l'opinion tant nationale qu'internationale que depuis des lustres, les Yaka et Teke
ont toujours vécu de manière pacifique sur les mêmes terres qu'ils exploitent dans le respect des uns et des autres. Entre ces deux tribus, Yaka et Teke bien sûr, existent des liens sacrés de mariage qui ont engendré qu'il y ait des parts et d'autres, des enfants et des parents. C'est du tout curieux de constater que la situation s'embrasse d'un coup, ce qu'il faut croire qu'il y ait des tireurs de ficelles à leur profit. Au regard des faits ainsi relevés, déclarons ce qui suit. Mettons en garde des politiciens véreux en mode de positionnement qui cherchent à salir l'image de son excellence Nana Manoni Nakyumba en tant que membre du gouvernement. Rappelons à tous les pêcheurs en eau trouble que son excellence Nana Manoni Nakyumba est l'un des leaders aux mains propres qui n'a aucun intérêt à voir son territoire sombrer dans le chaos, car on est leader des vivants et non des morts. Réitérons notre soutien indéfectible au chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour maintenir à tout prix la paix, l'unité, la cohésion nationale sur toute l'étendue de la République. Quoi qu'il en soit, cette mission ira jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'interpellation devant la justice de toute personne impliquée, comme auteur ou co-auteur, qui aura fait verser le sang de nos compatriotes dans le cadre de ces conflits. Il revient aux ressortissants de l'espace Grand Bandundu de donner des réponses appropriées face à l'impérialisme et à l'ingérence extérieure. Kim Kimulumba revient sur la cruauté des images violentes qu'offre le territoire de Kwamout. Pour lui, le mode opératoire est importé et est favorisé par l'inactivité des jeunes. On l'écoute, il était sur ce plateau. De m'avoir invité à venir sur votre plateau. Laissez-moi vous dire que c'est une calamité ce qui se passe dans le Bandundu. C'est un désastre. Depuis la fin de Molele, en 1960-1961, on n'avait jamais connu ça. C'est des images que l'on voit venir du nord Kivu et de l'Ituri, mais jamais à l'ouest. Moi, je pense qu'il faut comme État, apporter des réponses. Parce que si aujourd'hui, on donnait du travail à ces gens qui en ont besoin, si on créait des entreprises pour que ces gens puissent travailler, on n'en serait pas à cela. Regardez ce qui se passe aujourd'hui désormais dans le Grand Bandundu. C'est quoi? On vient chez les religieux, on vient dans la rue, on prend des gens, on enlève des gens, on réclame la rançon. Il y a 3 jours, je revenais de Kitoy, à Bukangalonzo, j'ai rencontré des individus armés. 3 individus armés. C'était aux environs de 8h, 9h, en pleine journée. Ils portaient des masques sur leur visage. Ils étaient mal habillés. Quand ils me voient arriver, eh bien, il m'arrête, il me salue, j'allais dire respectueusement. C'était sans doute ce que vous appelez les mongolos. L'État doit répondre aux attentes de la population. Vous savez, cette route nationale, j'y ai vu comment elle a, disons, elle est revenue. Elle n'existait pas. Elle a été détruite. J'ai vu comment des jeunes travaillaient et gagnaient un peu d'argent. Aujourd'hui, il faut donner du travail à ces gens, plus que jamais. Et ils ne feront pas ça. Et c'est la même situation qui se passe à l'Est. Ces groupes armés qui arrivent, ils font quoi? Ils cherchent de l'argent, simplement. Nous appelons ça la résilience. Mais la résilience, par ces moyens-là, si vous n'avez rien à mettre sous la dent, eh bien, vous pouvez vous adonner à tout, malheureusement. Et je reviens du Grand Bandundu. Les gens sont mobilisés derrière le président Tshisekedi. Les gens attendent beaucoup du président Tshisekedi. Et j'apprends que au mois de juillet, il pourrait s'y rendre.
ça serait l'occasion d'apporter les réponses qu'attend cette population. Justement, la réponse du gouvernement dans le secteur agricole, ce sont les villages agricoles. Ce programme vise l'autosuffisance alimentaire en milieu rural. Richard Kouali. Souci de promouvoir la sécurité alimentaire et d'améliorer les conditions de vie de petits producteurs dans les milieux ruraux en République démocratique du Congo, le programme Villages agricoles a été mis en place par le gouvernement. C'est dans cette optique que justement des vastes champs de manioc et de maïs sont installés avec l'appui de projets d'appui au développement intégré de l'économie rurale exécutés par l'entreprise de consultance et de services agricoles en RDC et financés par la Banque africaine de développement. Une initiative qui est à la rescousse de plusieurs ménages dans le grand bassin du Kwango, possédant trois grandes brigades agricoles dans la province du Kwango, dont 422 hectares de maïs et 1200 hectares de manioc pour la production de farine panifiable et fermentée. L'Écosac travaille en collaboration avec les ménages de cette province qui reçoivent 60% de leur production. Et pour faciliter la vente, l'opérateur rachète également 60% pour la transformation. L'objectif, c'est de pouvoir améliorer le revenu des ménages agricoles dans le milieu rural. Ces ménages qui produisent, mais qui généralement vivent dans le milieu, dans des conditions précaires. Ils ont 60% de production, nous avons 40%. Et 40%, c'est pour nous permettre d'appuyer les autres ménages et puis faire fonctionner la structure. Un projet exécuté malgré l'insécurité qui prévaut dans cette partie du pays. Évidemment qu'il y a eu des combats entre la milice Mugondo et puis notre armée. Alors ça fait que beaucoup de ménages dans certains villages ont fui le village. Nous sommes en train de collaborer avec eux. Nous les conscientisons. Liant la parole à l'acte, les ménages perçoivent bel et bien leur argent après la récolte. Les ONG, les clubs sportifs, les partis politiques et les confessions religieuses ont désormais leur propre système comptable. Les représentants de toutes ces associations sans but lucratif ont suivi durant 5 jours une formation sur le nouvel acte uniforme de l'OADA. Explication dans ce reportage de Jacques Thubois-Boigny. Sautel, les experts comptables et représentants de confessions religieuses ont mis au total 5 jours pour comprendre le 6BNL, un nouveau système comptable des associations sans but lucratif sous toutes leurs formes qui entre en vigueur à partir du 1er janvier 2024. Cet acte uniforme comporte deux grandes parties, le droit comptable lui-même qui est l'acte uniforme, mais également le système comptable qui est censé donner plus de détails pour la tenue des comptes. La particularité, c'est qu'il n'y avait pas de réglementation concernant les entités à but non lucratif de par le passé. Donc c'est une innovation majeure parce que les entités qui étaient dans ce secteur étaient obligées d'appliquer un plan comptable général qui ne tenait pas compte de leurs particularités. Il y a du pénal, il y a des sanctions pénales qui sont prévues dans l'acte uniforme relatif au système comptable OADA pour les dirigeants de cette entité que nous venons de citer qui n'auront pas présenter les états financiers qui n'auront pas désigné un auditeur pour contrôler les comptes. Les bénéficiaires ont apprécié la matière dispensée. Cet atelier de formation sanctionné par la remise à tous les participants de certificats de formation a été clôturé au nom de la ministre de Justice et Garde des Sceaux par le professeur Roger Massamba, président de la Commission nationale OADA. Mais chacun d'entre nous reconnaît que c'est un investissement utile pour soi-même d'abord, pour sa profession, pour le pays aussi. Pour enfin terminer par, passez-moi l'expression, décréter la clôture de cette session de formation. Encore une fois, en vous remerciant tous. Cette formation a été organisée par l'ERSUMA, École régionale supérieure de la magistrature de l'OADA, en partenariat avec l'ONEC, Ordre national des experts comptables. Pour lui et l'utile à l'agréable, un repas copieux a été servi. Le directeur régional de l'ONUDI pour l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest est un compatriote. Jean Bakolé, c'est son nom. Il est à Kinshasa. Au cours des discussions déjà entamées, tout a été axé sur les politiques de stratégie d'investissement industriel en RDC. Reportage de Christine Lenzon.
Le journal de l'ONIDI pour l'Afrique centrale et de l'Ouest séjourne depuis ce 19 juin à Kinshasa, une mission officielle qui lui permettra d'échanger avec les autorités de la RDC sur l'avancement des activités industrielles liées à la coopération RDC-ONIDI, une mission qui arrive à point nommé, a-t-il dit. Le Congo est un pays qui regorge de beaucoup de richesses, des richesses naturelles. Mais nous avons aussi des richesses humaines. Nous avons beaucoup de Congolais, des jeunes talents qui ont des capacités sur le plan des technologies de l'information. J'ai fait 5 ans comme directeur régional en Éthiopie, 6 ans au Nigeria. Je suis en train d'accompagner les autorités nigériennes, le Nigeria étant la plus grande économie de l'Afrique. Donc il est important que la RDC soit au centre de la discussion. Nous sommes un pays au centre des grandes ressources minières du monde. Un pays qui vraiment pousse vers une économie diversifiée. Un pays qui crée des conditions de résilience. Jean Bakolé, ce Congolais fonctionnaire international, projette aussi quelques signatures de coopération. Donc notre pays doit mettre sur pied des politiques et des stratégies pour que notre pays soit un pays à destination pour les investissements dans les domaines industriels. Mais il faut que ce secteur profite d'abord essentiellement aux Congolais. C'est cela d'ailleurs le slogan de notre président qui dit toujours le peuple d'abord. Donc tout ce que nous ferons, c'est de pouvoir accompagner le président dans sa vision actuelle, dans sa vision future, pour que notre pays reste la locomotive qui puisse faire tourner les trains de manière à ce que notre pays soit ressenti au niveau africain, au niveau mondial, comme une force économique. En sport, c'était la fête hier soir partout en République démocratique du Congo. Les Léopards ont bouffé les Panthères à domicile, 2-0, une victoire qui nous rapproche de la qualification pour la CAN 2024. Les hommes de Desabre viennent provisoirement à la tête du groupe I. Retour sur les moments forts de la rencontre avec Robert Ndaichi Sensei. Victorieuse, le but pour la RDC. Piston Mayele. Oh là là, but exceptionnel de l'homme en forme. Tous les espoirs de qualification à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2020. Fiston Maïlé s'en va, clore d'une frappe victorieuse en inscrivant le deuxième but. Le fait de mener à l'extérieur fait que on n'est pas dans le même rapport tactique. Donc quand une équipe gagne 2-0 ce soir et 1-0 mercredi, on peut dire que c'est un stage très réussi. Les chances de qualification totalement retrouvées après ce score des coéquipiers de Desabre avant le match retour contre le Soudan au Stade des Martyrs. J'essaie de me mettre à la place de Fachi Beto. Je ne sais pas dans quel état il est. Pour le ministre des Sports, qui s'est fait accompagner au Gabon du deuxième vice-président du Sénat, le sportif Sangouma Temongonde Mossai est à mettre à la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de voir le sport reprendre sa place. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir Françoise. Alors nous avons le privilège de vous avoir sur ce plateau. Oui, dites-nous, fait. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Qu'est-ce qui s'est passé dans les vestiaires? Qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain pour que la chance nous sourie? Je pense que nous avions bien préparé cette rencontre grâce au stage bloqué qui a été organisé au Cameroun et plus précisément dans la ville de Douala. Et il y avait la concentration, il y avait de la détermination et il y avait de l'engagement.
Nous avons une nouvelle génération de binationaux qui arrive, étant donné que pour le moment, le championnat sur le plan local est au frein. Mais cette génération arrive avec une nouvelle vision qui est imprimée par le président de la République et le premier ministre. Et on s'inscrit tous dans cette vision. Et puis moi, la mission que j'ai reçue du président, c'est celle-là, c'est-à-dire redynamiser les sports, refaire la confiance, placer les sportifs dans des très très bonnes conditions. Et ça, François, je peux vous confirmer que le gouvernement n'a pas lésiné sur le moyen. Donc, vous parlez de, du stage, ouais, vous parlez des moyens du gouvernement, absolument. Mais ce sont les mêmes visages. Comment comprendre qu'aujourd'hui, tous se sont donnés pour que finalement, on retrouve le sourire longtemps perdu? Non, le discours. Le discours a changé, les méthodes sont en train d'être changées. Nous avons introduit la rigueur, nous avons introduit la détermination. Et le coach Sébastien Dessal, que je salue ce soir, fait un travail impeccable. Et on essaie de mobiliser, on place les athlètes devant les responsabilités. J'ai fait un discours quand le président et le premier ministre m'ont envoyé à Douala. J'ai dit aux joueurs, attention, il faut de l'orgueil personnel, il faut l'orgueil du pays, il faut permettre à la RDC de revenir dans les top 5. Et ça marchait cette fois-ci? Ça marche et ça marchera. Alors, Gabon, c'est fini, qu'est-ce qui vient après? C'est la même équipe ou il y a encore quelque chose? Non, il y aura certainement des retouches, hein, ne vous en faites pas, parce qu'on est dans une dynamique de progrès. Et nous aurons le 4 septembre au stade de Marté, j'espère que ce stade ouvrira ses portes. Nous allons recevoir les Soudanais pour confirmer notre qualification et retrouver la phase finale. Nous étions absents. La RDC a disparu des boussoles. Sur le plan du football, il est grand temps qu'on revienne et qu'on donne de la joie à toutes ces mamans qui souffrent, qui prient jour et nuit, à tous les pasteurs, les prêtres qui nous appuient. Et c'est comme ça que nous voulons apporter de la joie et fédérer notre peuple qui a besoin de l'unité et de la paix. On croise les doigts, donc la CAN. On a déjà presque le non, on sera à la CAN, François, vous en faites pas préparer votre valise. Je fais pas de la démagogie. Nous serons à Abidjan, nous serons dans les autres villes ivoiriennes, en tout cas. On vous croit sur parole. Alors, avant de se séparer, oui, Fatshi Cup, c'est... Non, Fatshi Cup, c'est une coupe que nous avons mise en place avec le concours de la CAF, avec le concours de l'INIFAC, pour booster. Donc, vous savez, les présidents insistent sur l'espoir des jeunes. C'est la coupe réservée aux moins de 20 ans. Donc, ce n'est pas votre invention, c'est quelque chose... C'est la première édition. C'est la première édition. Mais notre préoccupation, c'est booster le football d'âge. Les sports d'âge. On n'est pas là que pour le football. C'est dans toutes les disciplines, nous allons préparer la relève. Aujourd'hui, c'est bien. On a la génération d'aujourd'hui et demain. Ça commence à Kinshasa ou vous pensez... Ça commencera au stade de Martyr le 30 juin, peut-être décalé d'un jour, ça dépend des manifestations, mais sinon notre détermination est d'aller le plus loin possible avec le sport des jeunes. Merci Claude-François Kaboulo, Mwana Kaboulo, Monsieur le ministre, et bonne chance pour la suite. Bye bye, merci. On poursuit ce journal. La première dame mène un combat contre l'anémie SS. La fondation Denise Nyakeru appuie les structures dans la sensibilisation et le dépistage précoce. Justement, l'épouse du chef de l'État a financé, sa fondation a financé les travaux de réhabilitation de l'hôpital Mabanga. Où en sommes-nous avec l'évolution de ces travaux? Des éléments de réponse dans ce reportage de Naïcha Kialamouila et de José Baïtombo. Pas question de ralentir la cadence, l'objectif étant connu et les délais bien précis pour offrir et assurer une bonne prise en charge de nos enfants drépanocytaires. Les centres de médecine et d'anémie SS, communément appelés Centre Mabanga, vit au rythme de coups de marteau depuis près de 3 mois. Lancé par la première dame et président de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi en février dernier, les travaux de construction du bâtiment en cours s'exécutent parfaitement et tout est mis en œuvre pour que ces bâtiments soient livrés dans les délais. Aujourd'hui, les travaux évoluent très bien. Nous sommes en phase de pouvoir finaliser les maçonneries au niveau de l'étage et du rez-de-chaussée. Et nous avons coulé une dalle, les colonnes. Et d'ici la fin de ce mois, on pourra commencer les travaux des toitures. Je peux m'estimer être heureux en disant que les travaux avancent selon les délais convenus avec l'entrepreneur. Donc nous sommes très heureux, nous pouvons le dire ainsi, parce qu'en termes de qualité, en termes de délais, en termes de motivation du personnel, l'entreprise BBC a réuni toutes ces conditions
Et aujourd'hui, on peut dire qu'elle va achever les travaux dans les délais. Unique centre public de prise en charge de déchets panocytaires, la construction de ces nouveaux ouvrages va répondre aux normes internationales en tenant compte de sensibilité des patients souvent sujets aux infections. L'équipe technique a tenu compte de tous ces paramètres. C'est pourquoi on a plus mis en action sur une ventilation qui soit naturelle. Parce que s'il faudrait utiliser la ventilation artificielle, ça causerait un peu de dégâts auprès de nos frères et sœurs qui souffrent de cette maladie. Nous avons créé des espaces un peu plus larges, des circulations, d'hospitalisation par rapport à ce qu'il y avait avant. Et on a plus d'espace, plus d'aération, plus d'éclairage. La construction de ces nouveaux bâtiments pour le centre Mabanga est l'une des actions de la politique de renforcement des structures de prise en charge initiée par la Fondation Denise Nyakeruti-Sekedi. Le 19 juin de chaque année, les mondes s'arrêtent au chevet de ces malades drépanocytaires. La première dame de la République, qui a fait sienne la lutte contre cette maladie devenue une question de santé publique, s'est lancée sur trois fronts, la sensibilisation, les plaidoyers et les renforcements de capacités des structures existantes. Les malades délocalisés vers les centres Yolo médical vont dans un futur proche retrouver leur centre, mais avec un autre visage et une prise en charge nettement améliorée. Travailler ensemble pour l'essor de la province du Congo central, ce thème a mis autour d'une table les ressortissants de cette province vivant à Kinshasa. Ils ont réussi à mettre sur pied une synergie. Détail du Bieskitiki. Ils étaient tous là, les notables et les professeurs des Congo. Une rencontre très riche où les échanges étant francs et sincères entre eux. Après la prière du pasteur Colin de Lantiman, les différents mots de bienvenue ont été prononcés par les organisateurs. Puis, place aux interventions. Le professeur Bernard Loutoutala, ancien recteur de l'Université de Kinshasa, a recensé les différents défis, démontré la grandeur du Mukongo et les perspectives. Le président du conseil d'administration de l'Université du Congo central, Simon Bosso, a fait les rapports du colloque tenu sur l'Université du Congo central. Le député national, Simon Floribert Mbachi-Bacha, a rappelé aux uns et aux autres l'importance de vivre ensemble. Et pour boucler le tour des tables, le président du Conseil économique et social, le doyen Jean-Pierre Kiwakana Kimayala, a rassuré tout le monde. Cette province va rester absolument unie. Le Mukongo, c'est un peuple, le seul qui a une homogénéité de la langue, de la culture, de la tradition et de tout. C'est ça la première force de la Congo. Mais nous ne séparons pas. Le coordonnateur de la notabilité Nekongo a insisté sur la synergie homme des sciences et les notables. Pour le moment, c'est une mission accomplie. Ça, c'est un des objectifs spécifiques en rassemblant le monde académique. Et c'est une très bonne chose. Nous tous, nous travaillons pour le pays. Or, nous savons que la communauté Congo est la gâchette du pays. La régularité des rencontres, le soutien des jeunes, l'implication des scientifiques et le vivre ensemble ont été tirés au titre de recommandation. Passation de pouvoir à la Sonaïdroc, Gustave Kumba remplace Marcelin Bilomba au poste de directeur général. Au cours de la cérémonie de remise reprise, le nouveau PCA de cette entreprise, Jean-Baudouin Maillot, a précisé, je le cite, « Nous serons l'œil de l'État dans le domaine aussi stratégique des hydrocarbures ». On l'écoute dans ce reportage signé Cédric Eninambo. De réunion sous l'œil vigilant du président du Conseil supérieur du portefeuille, Stéphane Tulunda Kankonde, et après lecture des procès-verbaux et lettres de notification du ministère de tutelle, place à l'échange de documents entre le président du Conseil d'administration sortant, la Sonaïdroc, Michel Ebouma, et l'entrant, Jean-Baudouin Maillot Mambeke. Mes premiers mots sont les mots de remerciement. Cette nomination est une mission que Dieu nous assigne ici, à la Sonaïdroc. Je voudrais aussi remercier le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a bien voulu m'envoyer ici pour travailler ensemble avec les collègues et avec vous pour redresser ce secteur et être l'œil de l'État dans le secteur stratégique des hydrocarbures.
L'exercice s'est poursuivi entre le directeur général sortant Marcelin Bilomba et l'entrant Gustave Kumba. Tout juste après cette brève cérémonie et sobre, la nouvelle équipe s'est réunie autour du nouveau président du conseil d'administration pour une prise de contact. Éducation, une école de Kinshasa dotée en bancs pupitre. Il s'agit du collège Saint-Étienne équipé avant la rentrée scolaire prochaine. Une action de la fondation Godard Motemona. Le vice-ministre des Mines, Godard Motemona, président de la fondation qui porte son nom et autorité morale du parti En Marche pour le Progrès, a remis un lot important des bancs au collège Saint-Étienne, situé à la 3e rue industrielle dans la commune de Limété, dans les cadres de sa fondation Fogomont. Il a également primé les meilleurs lauréats de l'examen d'état de cette école pour l'année scolaire 2021-2022. Pour Godard Motemona, ce geste vise à stimuler le goût d'émulation auprès des élèves de cette école, mais également d'accompagner le chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans les secteurs de l'éducation du pays, particulièrement la gratuité de l'enseignement. On est venu remettre les bancs, primer les élèves et inaugurer les latrines. Remettre les bancs, c'est pour accompagner le chef de l'État dans sa vision de gratuité de l'école. Pour ne pas primer les élèves, pour qu'ils soient motivés et qu'ils soient meilleurs, vous devez travailler, vous devez vous distinguer. Le père, préfet des études du collège Saint-Étienne et le président du comité de parents ont associé leur voix à celle des élèves pour saluer l'acte posé par Godard Motemona. Par ailleurs, la fondation Godard Motemona a aussi réhabilité les latrines du collège Saint-Étienne. Occasion faisant le larron, les élèves de cette école ont saisi cette opportunité pour présenter leurs doléances auprès du vice-ministre des Mines, Godard Motemona, notamment doté l'école d'une bibliothèque, une salle informatique et la connexion Internet d'un laboratoire moderne de géographie, physique, chimie et des sciences naturelles. Et puis cette information, la vulgarisation du rôle et de l'importance de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Katam, directeur général de l'ARSP, se retrouvait face aux étudiants réunis à l'université de Kinshasa au cours d'une conférence. Dans l'objectif d'amener les fils de filles du pays à la maîtrise des méandres de l'entrepreneuriat et de la sous-traitance, et pour répondre au-delà de tout aux exigences de la vision du président de la République dans ce domaine précis, le numéro 1 de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé en RDC, l'honorable Miguel Katem Kachal, a été invité ce week-end à l'université de Kinshasa pour un entretien à cœur ouvert face aux étudiants de plusieurs établissements universitaires, publics et privés, réunis à l'amphithéâtre Léon Saint-Moulin. Durant ce court échange, un bref aperçu historique de cette institution lui est narré. Cela sera suivi par quelques mots sympas couchés dans le livre d'or de l'université de Kinshasa. L'instant d'après, c'est le moment fatidique attendu par ces milliers d'étudiants qui, du reste, ont dû braver la fureur du soleil au zénith. D'entrée de jeu, le mot de bienvenue du recteur, le professeur Dr Jean-Marie Kayembe. À sa prise de parole, l'hôte du jour a tout d'abord commencé par son discours exposé de motifs afin de circonscrire le cadre d'échange avec ses cadres universitaires. Prenant la balle au bon, ces étudiants ont eu simplement une occasion en or pour une vie active parsemée d'opportunités. Du haut de son expérience de plus de 15 ans comme entrepreneur, Miguel Katem Kachal a brillamment répondu aux centaines de préoccupations de cette immense assistance du côté des étudiants de Kinshasa. Cette rencontre était une découverte satisfaisante. L'homme de la sous-traitance en RDC a par la suite été conduit dans une visite guidée des stands afin de découvrir les prouesses de certains étudiants déjà engagés dans le secteur des start-up. On termine par la religion avec ces images de la journée de prière pour l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo organisée à l'espace de l'aéroport de Ndolo à l'initiative de Adel Kainda, ministre du portefeuille. Des milliers de chrétiens accompagnés de leurs bergers ont imploré la puissance de Dieu pour la restauration de la République démocratique du Congo. Reportage de Angèle Mabialalandou et Elie Toumba.
de 2 millions de chrétiens ont envahi l'espace de l'aérodrome de Ndolo ce dimanche 18 juin 2023. Ils sont venus dès les premières heures de toutes parts pour joindre leurs prières en faveur de la paix, de l'intégrité territoriale. Alors que le début de la prière était prévu à 11h11, ils sont venus plus tôt, qui à 6h du matin, à 7h, à 8h, et ils sont venus de toutes parts pour joindre leurs prières en faveur de la paix, de l'intégrité territoriale, de la RDC et du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'initiatrice de cette journée de prière, la princesse Adèle Kaïnda Maïna, chrétienne convaincue et engagée, a misé sur la communion d'esprit et de cœur pour un pays totalement unifié et pacifié. Toutes les confessions religieuses étaient présentes, les kimbanguistes, les salutistes, les protestants, les églises des réveils et différents mouvements spirituels, notamment les Ngunza, les descendants des Tata Honda et autres. Ils ont dit des prières pour que toutes les autorités du pays reçoivent la sagesse des Salomon et que nos forces armées comme les forces de Gédéon écrasent l'ennemi. Pour une paix durable dans la partie est qui souffre depuis plus de 3 décennies, les différents hommes de Dieu ont dirigé leurs supplications à l'éternel Dieu vers le peuple meurtri des Kivu, vers les FARDC et aux plus hautes autorités du pays. Habitués à entrer en transe pour leurs prières, ils l'ont aussi fait pour cette journée des prières pour la paix. Avec son cœur et sa foi, la diaconesse, l'intercesseuse Mama Kipendano, Adèle Kaïnda Maïna, a imploré la grâce divine sur le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'elle voit désormais comme Josué conduisant les enfants d'Israël à la terre promise. Les chrétiens venus en nombre sont une preuve que son message passe dans l'opinion et rencontre plusieurs adhérents. Fin de ce journal, madame, messieurs, merci de l'avoir suivi à travers le monde. Retrouvez à 23h José Baïtouambo. Je vous retrouve demain à 20h. Bon début de semaine à toutes et à tous.